Nous sommes réunis ce soir au parquet de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour célébrer la 32e édition des Entretiens Jacques Cartier. Ce rassemblement réunit des acteurs et des décideurs importants de la France et du Québec et permettra de mettre en lumière les atouts d'Auvergne-Rhône-Alpes et les grandes réussites de son partenariat avec le Québec, en plus de favoriser le rayonnement et l'attractivité de ses territoires. Suivez-nous pour découvrir à quel point la relation entre le Québec et la France est privilégiée. C'est des liens qui s'inscrivent dans la pérennité, dans la durée. C'est dans des liens de confiance comme ceux-là que la relation peut vraiment devenir une relation concrète. Je pense que quand on voit tous ces acteurs de tous les niveaux, autant politiques qu'économiques que touristiques, se rassembler dans un même endroit, bien, ça témoigne bien de la vitalité de la relation. On a beaucoup d'échanges à avoir et notamment pour nous de pouvoir apporter nos solutions aux entreprises canadiennes. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui amène une délégation de la région au Québec pendant les entretiens Jacques Cartier, c'est juste une excellente occasion d'avoir des relations privilégiées, des contacts qualifiés. Et en tant qu'entrepreneur, patron d'une entreprise start-up innovante, c'est juste l'endroit le plus merveilleux où être pendant cet événement. Très satisfait, de très grande envergure, parce que en 3 jours, c'est plus de 450 conférenciers québécois, canadiens, français qui sont là. Et ça, c'est important quand on veut créer maintenant des écosystèmes innovants. Il faut mélanger toutes les expertises et tous les secteurs. Et c'est ce qu'on essaye de faire entre la France et le Québec aujourd'hui.